sio kama Azamu ya miaka miwili iliyopita. Ni Azamu ambao ni timu ambao ni nzuri, na mchezo wa kesho utakuwa mchezo mzuri sana sababu wote wamejipanga. Je pense que pour le joueur la santé des joueurs, donc je pense que on a un petit souci avec Juma qui a eu à quelques jours un problème de malaria. Bon, il a repris hier, on va voir s'il est en forme. À part cela, donc on n'a pas vraiment de blessés. Même Diarra qui était blessé, il revient petit à petit. On va décider aujourd'hui si c'est lui qui va commencer ou pas. Sinon, le reste, ça va. Kutokana na swala ya majeruhi baada ya international break, ambaye alikuwa na tatizo kidogo ni Juma Shabani, ambaye alikuwa anasumbuliwa na malaria, lakini atenisti alhamdulillah anaanza kurudi. Amefanya mazoezi jana na leo ataangalia kama anaweza kaanza kwenye kikosi cha kwanza ama vipi. Mwingine ambaye alikuwa majeruhi ni Diarra, lakini anaendelea vizuri na pia ameanza mazoezi pamoja na wengine. So ataangalia mazoezi ya leo kama yeye atakayeanza ama ataanza mwingine. Pour le joueur de l'équipe nationale, on ne sait pas encore comme leur première séance, ce sera aujourd'hui. On n'a pas une idée sur leur état de santé, leur état mental. Donc aujourd'hui, on saura un peu plus. Kuhusu wachezaji ambao waliokuwepo timu ya taifa, wamerudi na leo ndio itakuwa, nawaza ni leo ndio watafanya mazoezi yao ya kwanza toka wajiunge na timu ya taifa. So atawaangalia jinsi watakavyo ripoti mazoezini, kama watakuwa vizuri kiafya ama vipi. So leo ndio majibu yatatoka kuhusu wale wa timu ya taifa. Donc d'abord on s'est pas reposé, au contraire on a doublé dans l'intensité et la charge du travail. Comme vous savez, nous avons eu une pré-saison très très courte. Nous n'avons pas été prêts à 100% pour la Super Coupe et les deux matchs qui ont suivi. Nous avons profité de cette trêve internationale pour doubler la charge de travail qui va nous donner du meilleur pour la suite. Donc nous avons très 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 bien travaillé, on ne s'est pas reposé. Maintenant, qu'est-ce qu'on promet à nos supporters? Il n'y a pas de promesse aux supporters. Il n'y a que du travail, du sérieux, du sens de la responsabilité. Et après, automatiquement, le reste viendrait, bien évidemment. Kwanza, sio kama walipumzika kipindi ya international break. Ilikuwa ni kipindi ambao wamefanya kazi ya ziada, sababu kwanza pre-season ilikuwa fupi, na kabla ya kucheza mechi ya Ngao ya Hisani na hizo mechi mbili za ligi, muda ulikuwa mfupi. So ilipokuja international break, wakaitumia kufanya kama pre-season ili waendelee kufanya mazoezi kwa pamoja, kutengeneza kikosi ambacho kitakuwa imara. Na kuhusu mashabiki, ahadi ambao anaweza kawaidi ni kusema wanaendelea kufanya kazi kwa bidii ili kutengeneza kikosi ambacho kitaleta matokeo mazuri mbeleni. Je pense on a pas ça dans notre tête, c'est que ce qu'on a dans la tête, notre principe c'est d'être très très sérieux pour chaque match, d'être humble, d'être responsable vis-à-vis au club, vis-à-vis des supporters du club, vis-à-vis du comité du club, parce que c'est une grosse responsabilité. Notre objectif chaque semaine, c'est de regarder, de prendre chaque match qui arrive avec énormément de sérieux et tout faire, tout préparer pour qu'on puisse gagner le match qui arrive. On prend chaque fois match par match, match par match, sans laisser les joueurs un peu tomber ni dans l'euphorie, ni dans l'autosatisfaction. Et c'est comme ça, on n'a pas de plan sur le long terme, toujours du sérieux. Et c'est ce qu'on essaye de mettre dans la mentalité des joueurs. Et c'est ce qui
je vois actuellement vraiment chez mes joueurs, c'est qu'ils ont vraiment le sens des responsabilités. Kwanza malengo ni kufanya vizuri, na ili kufanya vizuri inabidi kufanya kazi ya ziada. Kitu ambacho anachokiona ni kuambia wachezaji kujituma, kujitolea na kutokulewa sifa. Inabidi ina maana kujishusha. So kwa jinsi anavyoiona ligi, so lazima kwenda unaandaa mechi baada ya mechi. Sababu hakuna mechi ambayo ni ndogo, mechi zote ni kubwa. So lazima uandae ili upate matokeo. Na utakapoandaa vizuri mechi zako lazima utapata matokeo mazuri. Ila kusema kama malengo ni ile ya kusema moja kwa moja tunaenda kwenye unbeaten bila kuandaa timu, sio hivyo. So lazima waandae mechi baada ya mechi. Vraiment je pense que on s'attend à que ce soit un match très très disputé, très intense. Pourquoi il va être très intense? Parce que Azam a une très bonne équipe, des très très bons joueurs. Yang aussi elle a des très bons joueurs. Et il y a eu aussi un changement d'entraîneur chez Azam. Donc il va avoir peut-être une réaction différente, même une organisation de jeu différente à ce qu'elle a été avant. La preuve que je m'attends à un match très intense, j'ai été deux ou trois fois voir Azam avec mon ancien collègue pour vous dire à tel point je donne du respect et de l'importance à j'ai même été à Zanzibar pour voir Azam, tellement je sais que c'est une équipe très très solide par rapport peut-être aux trois années précédentes. Et je prends au sérieux tout cela. Et ce qui est sûr, que le match va être intense. Il va être spectaculaire et il va avoir des buts aussi. Donc, tant mieux pour le football ici en Tanzanie, pour les spectateurs. Et j'espère que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, va nous aider pour gagner ces trois points qui ne vont pas vraiment être faciles. Les chances de des équipes vont être à moitié. Ni mechi ambayo itakuwa, kwanza itakuwa mechi nzuri ambayo itakuwa na pressure kubwa kwa pande zote mbili, sababu alienda karibia mara tatu kuangalia Azam. Ni timu nzuri, ina wachezaji wazuri. Yanga pia ni timu nzuri, ina wachezaji wazuri. So mechi itakuwa ni nzuri kabisa ya kikubwa. So matokeo, hakuna ambaye anaweza kusema matokeo moja kwa moja, kusema kama matokeo fulani atashinda fulani atafunga, sababu ni mechi kubwa na ni mechi ambayo ni nzuri. Sababu Azamu wana kocha mpya ambaye lazima atakuja kwa kujipanga ili apate matokeo mazuri. Na wao pia hawezi wakaacha hicho kitu, lazima wapambane ili kupata matokeo na kuonesha Mungu akisaidia pointi tatu atapatikana.